Bonjour, je me nomme Kabab Ahmed, étudiant en économie de la ville d'Oujda et je suis candidat au concours de poésie islam. En fait, le texte sur lequel je compte slammer porte sur le courage. Courage. Voilà souvent ce qui m'est demandé quand je n'arrive plus à faire passer les bêtises à travers la gorge ou quand la vie me joue des mauvais tours dès le bas âge. Du coup, j'ai la rage, j'encaisse les coups pour me prouver que je peux être mature et sage sans l'âge. Courage est la force de comprendre le bienfait du courage, et la vigilance de comprendre le coup bas de la vie et ses virages. Ce ne sont pas que des adages, oui, courage. Car le courage, c'est de savoir rêver, même quand ta vie te fait baver. C'est de savoir se tenir debout, et cela même quand t'es à bout. C'est de savoir sourire le jour, même si tu as mal tous les jours. Oui, courage. On me conseille de faire preuve de courage. On me raconta qu'un jour, dans les temps immémoriaux, que la force du courage avait donné un enfant au monde qui s'appela Persévérance. Celui-là, à son tour, avait causé beaucoup de souffrances, mais par finir, il s'est racheté par l'excellence. Et donc, le courage de dire parfois non. Le courage de dire ce que tu penses quand ils t'invitent à leur table par ton nom. Le courage de faire tes choix et non ce que tu dois. Envoie donc foutre au diable la loi et crois en ta foi. Oui, aïe, courage. Et courage quand ceux que tu chéris s'en vont. Et courage dans tes échecs quand ils se font. Et donc le courage de crier tes douleurs. Et le courage de pardonner quand quelque part tu es condamné. Et le courage de reprendre pour mieux comprendre. Et donc le courage d'assumer et de t'excuser. C'est moi qui te l'ai dit. Et le courage de surpasser tes peurs. Et le courage d'être la véritable personne que tu es avant que tu ne meures. Et le courage d'en être fier et dis-toi que c'est toi le meilleur. Et courage. Kabab Ahmed.